Les gars, vous voulez que je vous montre une petite technique d'achat-revente? Les gars, checkez tous les conballs. Là, je sais qu'il y a un mec qui s'appelle Alejandro Silva. Là, à 1800, il y en a beaucoup, les gars. Regardez dans les enchères. J'en achète à 600, 700, 950, 1000. De temps en temps, ça part pour 1400 et tout. Et donc, il n'y en avait pas à 1008. Par contre, il y en a. J'en ai acheté à 600. Là, je vais le mettre à 1007. Et regardez, les gars, je vais me faire. Vraiment, je le mets maintenant. Et là, tout de suite, là, tu vas partir. Parti, c'est sûr. En gros, tu vas sur la page des Conbo Libertadores et tu remarques ceux qui se vendent pour un peu de crédit. Par exemple, Cavani. Cavani. Par exemple, Romero. Tu vois, tu prends pas ceux qui se vendent à 700, tu prends ceux qui se vendent au-dessus de 2000. Bourail, 2004, ouais. Lui, tu peux l'avoir en enchère pour 1002, 1003. Et ça, tu peux le faire un x2. Donc voilà, pensez à faire ça, les gars, si vous êtes en galère de crédit. Tu vas sur Philbin et tu regardes les Conbo qui partent pour un peu de crédit. Donc ça pourra t'aider de fou. Et tu peux faire ça. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais bon, si t'as pas grand chose à faire, si t'as pas trop envie de jouer au jeu et que t'as envie de faire des crédits, c'est pas cool. Et surtout, moi, je vous dirais, les gars, faites ça quand il y a beaucoup de packs ouverts, du style juste après les grosses affiches, beaucoup de packs vendables ouverts, du style juste après les grosses affiches. Les vendredis de 19h à 20h, 21h, faites ça, les gars, vous pouvez faire masse crédit. Et pourquoi ils partent comme ça? Parce qu'en fait, ils demandent, tu sais, il y a un truc de ligue SBC. Ils demandent des conballs à un moment. Et donc, du coup, les gens, ils achètent ça. C'est pour ça, les gars, que ça part pour un peu de sous. Les Twins AR, les gars, nous, on peut aussi être fut millionnaire ou c'est comment? C'est comme si c'était déjà fait. Les gars, petit tour par rapport à la prédit. Ouh là là, ça s'est un peu inversé. Pour l'instant, Vince, il a une cote à 2,16. Et moi, j'ai une cote à 1,87. Vince, montre-nous ton équipe, là, vite fait, pour le... C'est la combienième édition du Twins Seco? D'abord, je montre les ventes. Ok. Vous avez vu, les gars? Ok. Voilà, c'est parti, les gars. Juste pour vous confirmer, voilà que ça part à 1007 en l'espace de 2-3 minutes, voilà. En tout cas, les frères, pour cette 6ème édition du Twin Seco. Je rappelle. Pas la première. C'est pas la 5ème, c'est la 6ème. C'est la 6ème. Il y a même 3 victoires à 2. Voilà, donc là, c'est aujourd'hui le moment pour moi d'égaliser. En tout cas, les frères, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner en activant la petite cloche des notifications. Je vais te montrer tout de suite mon équipe. Juste avant qu'on ouvre, juste avant que je vous montre après aussi les tactiques, je vais ouvrir mes récompenses de draft. Voilà, c'est un petit cadeau, un petit bonus. C'est sympa, Vince. Je pense que ça mange pas de pain. Ouais. De temps en temps, dans les récompenses de draft, il y a à boire et à manger. C'est ça. On sait jamais sur qui on peut tomber. Ouais, voilà, vraiment. La petite trèfle. Ça, c'est les tactiques, les gars. Avec le dispositif 4K2, Griezmann, Govou, Rafael Lao, Mossala. J'avais bien aimé, les gars, Sine Govou avec le dernier épisode, je crois que c'était les playoffs, où je suis en 10-0. Voilà, en plus, il y a les rôles. Faut juste que je change corner droit, il faut que je mette un gaucher pour Cordoba. Liam, je te préviendrai de bouger le goal. Donc voilà, les gars, c'est ça mon équipe. Lorente est très fort. Il y a moyen, les frérots, il y a moyen que je change un peu d'équipe. À voir le résultat du Twin Seco. C'était ma draft, les frérots. Ginola trop fort. Rashford un peu déçu. Jairzinho, Eusebio. Un truc de malade mental, les Zanetti au mitard ça bosse. Mais Rashford fraude. Rashford, ouais, on est d'accord. Je pense qu'on n'est pas. On n'est pas les deux seuls à trouver Rashford un peu surcoté, ouais. Ouais. Au moins les horaires direct comme ça c'est fait, les frères. Et Bato qui dit pour son message de resub, on est en septembre. Vincent, c'est vrai qu'on doit peut-être lâcher les régulars. C'est vrai que Vince, il a beaucoup de cartes régulières dans son club. Je vais pas te mentir que c'est vrai. Mais après, d'un autre côté, c'est des cartes régulières qui bossent bien. Tu vois, Griezmann, Hernandez, Leao, c'est des cartes régulières qui bossent pas mal. Moi, faudrait que j'ai un peu peur de ça, je te mens pas. Allez, joue le pack méga, les gars. Il n'y a pas de carte spéciale, malheureusement. Il n'y aura pas de boost. Ce sera Heuberg. Les gars, c'est une défaite, mes récompenses. D'ailleurs, les gars, j'ai enchaîné hier les drafts. J'ai dû en faire 5-6. J'ai tout gagné. Il n'y a pas une draft que j'ai rentabilisée. C'est horrible. C'est terrible, les gars. Le taux de drop des drafts, terrible. En vrai, ma team, elle a pas changé tant que ça. Hein. Attendez, je vous montre mon équipe, les gars. Vas-y. Voici ma team de guerriers. Guerrière. Attention, j'étais en train de faire des objectifs. Victoire ou défaite, les gars, mon équipe. Avec Ousmane Dembélé à droite, Kyle Walker en défenseur droit. L'évolution de Guardiola que je trouve monstrueux. Danilo Pereira, Vini, Selma Bacha. Franchement, mon équipe, elle bosse de fou. In-game, je vais jouer soit en 4-2-3-1, avec Vini à gauche, Kadida Toudjani en 10, Forlan en pointe et Dembélé sur le côté, et Ramirez Balak sur, en tant que relayeur et récupérateur, ça bouge pas. Ou sinon en 4-2-2-2, je vais voir comment je me sens in-game avec Balak, Ramirez, et puis Diani et Forlan. Voilà, c'est typique, la classique. En tout cas, moi, ce qui me fait peur dans l'équipe de Liam, les gars, c'est les deux ailiers à 5 GT. Parce que moi, j'ai pas de joueurs 5 GT. Et moi, dans mon jeu, comme je fais beaucoup de gestes techniques, j'ai besoin d'avoir des joueurs 5 GT. Je sais que Liam, comme il en a deux, tu vois, il faut que je sois vigilant. Donc là, on va ça. Tu m'envoies, Vince? Tu m'envoies à la vie, c'est parti, les gars. Ou t'as peur, Vince? Ou tu fais le froussard? Les frérots, comme d'habitude, le Twin Seco, il est basé sur le respect, sur l'amitié et sur la compétitivité. Bon respect. Match. Qui va pouvoir le porter à la fin du match? Parti, les gars. Moi, je vais jouer en blanc. Liam, il va jouer en maillot noir. Les gars, ça sera la POV du V. La POV de Vincent. Le respect avant tout, toujours. Toujours. Et après, c'est la bagarre. On n'avait pas fait la semaine dernière, Liam.
On n'avait pas fait... Mon équipe, elle fait... Vincent, ton équipe, elle fait peur de rien du tout. Il y a trop de cartes régulières. Ton équipe, elle me fait pas peur. Je te dis la vérité, ton équipe, elle me fait pas peur. Allez, le L, tu veux ton maillot à la fin du match? Je vais y penser, Slime. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gamins qui m'ont demandé le maillot aussi, donc... Slime, je vais voir avec l'intendant du club s'il y en a. S'il en reste, je te le passerai. Avec grand plaisir. Vincent, je rêve où tu voulais me faire la technique de lambeau. C'est horrible, j'ai la résistance sur ma jaquette. Commence pas maintenant, Liam, les excuses, ça m'énerve. Guardiola, il est dedans. Attends, je vais me mettre sur pause. Oh là là, oh l'espace, oh le tout droit. Oh là là, on a joué ça là. Contrôle le jeu. Ton Léo, c'est un méchant garçon. Tranquille, j'ai Danilo Pereira. Tranquille, j'ai Danilo Pereira. Tranquille. Il va rien se passer, Lynn, j'ai Danilo Pereira. C'est vrai que les gars, on l'avait pas fait la semaine dernière. Oh mon dieu. On l'avait pas fait la semaine dernière, les gars, le Tunsico. Parce qu'on revenait de Milan avant, on a été explosé. Mais là, tous les deux, on est une petite équipe sympa. Bon, après, toi, t'as toujours la même équipe, mais bon. Moi, c'est le football, Vince. On essaie de construire. En fait, les gars, c'est ce que je fais. C'est mon métier, en fait. C'est mon métier de tabasser Vincent, en fait. Y a pas trop de... Tu vois, je mets même pause parce que je veux que tu quittes. Je mets même pause pour que tu quittes. Et Vincent, moi, je passe à autre chose. J'ai trouvé ma défense, les gars. Il fait trop le... Il y a trop d'écart. Allez, bah bon, Vince, allez, hein. Ah, il rentre dedans! Oh. C'est le début du match, les gars, c'est que le début du match. Oh là là! Oh! C'est ce que je fais en fait, Vince! Hey! Vince! Tu peux retourner faire tes drafts, Vince! Merci, gamin, pour ton Twitch Prime! Merci beaucoup, mon frère. Merci. Ah, Rijkaard, il me fait peur. Vincent, il y a bien un joueur qui me fait peur dans ton équipe, c'est Rijkaard. Je pense qu'au milieu de terrain, il peut prendre l'ascendant sur Ramirez et Balak. Défensivement, il est trop fort. A chaque fois que je vois ton gameplay, j'ai peur. Oh, Vini! Oh, elle est trop fort, Virgile, bien joué. Et quoi, Govou, là? Oh, le début de match d'Embélé, c'est monstrueux. J'ai du mal, les gars, à passer le premier rideau de l'air, moi, ouais. Cold. Ça y est, on y est. Vincent, il a été froid là, il a été froid. Il a été méchant et froid. On y est. Ça avait manqué ces ambiances de... Oh mon dieu. Il y a faute. Il joue. Il me tire le maillot. Ben oui, il me tire le maillot. Merci, merci RG. Oh!
Vini, il est pas dedans, les gars. Mon Vini, il est pas dedans. Vini, il a pas mangé ce midi. Il a pas mangé ce midi à la mise au vert. Il est sorti encore hier soir. Vini, il est sorti en boîte de nuit hier soir. Je sais reconnaître comment Vini, il est pas dedans, et là, il est pas dedans. Allez, on y est, les gars, on y est. Ça joue au foot quand même, hein. Ça joue au foot, je trouve, hein. Non. Oh, mi-temps, les gars, mi-temps, j'avais vu. Oh mon dieu. J'ai pas vu le temps, pourquoi je l'ai mis en retrait. Les gars, c'est serré, les gars, c'est serré de zinzin. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Je te jure, c'est horrible. Je t'affronte. C'est horrible. Ouais, c'est horrible. Non, mais parce qu'en fait, je dois t'anticiper parce que je sais que tu sais. C'est Twin Seco, tais-toi! Mais c'est horrible! Je sais que tu sais ce que tu vas faire. Je sais, Liam. C'est un bras de fer. On peut dire, les gars, c'est un bras de fer? C'est un bras de fer, ouais. C'est un bras de fer. En fait, le truc, c'est que j'ai trop parlé. Comme d'hab, j'ai trop parlé. J'ai fait du blabla. Bah, vraiment, moi, ça fait plus tourner qu'en Future Sense, vraiment. Merci Gvardiol. Les gars, bah là, j'ai du mal à jouer avec mon milieu de terrain là. Vamos. Vamos. Oh! Ah! C'est pas vrai. C'est pas vrai. Arrête avec ce pressing, la merde. Ah! Rashcard, il est là pour récupérer des ballons, mais il est pas ce gars là pour dribbler. We move. Oh, c'est my god, c'est horrible. My god. Mais non, je veux que tu la remettes. Putain, le jeu là, par contre, la réactivité elle est pas folle. Hein. Je veux qu'il la remette et tout. Le jeu il a pas comptabilisé. Hein.
Oh là là, j'arrive pas à faire grand chose offensivement. J'ai vu la manchette. Oh, mais c'est quoi ces passes, chef? Ah! On m'avait loué Liam, un mitard qui était... Pour Ramirez, on le voit pas, Liam, en fait. Je te jure, Vincent, c'est horrible. Même mon Balak, je sais pas ce qu'il fait, mon Balak. C'est horrible. Bien joué, Bacha, c'est maintenant. Allez, Forlan. Oh. Bien joué, très très bien défendu. Oh, faut le dire Vince quand tu mets pause. Oh, les gars, j'ai du mal. Eh les gars, je fais aucun jeu, c'est horrible. Vince, il garde trop bien le ballon. Vincent, il garde trop bien le ballon. Ah, pour le coup, y a rien à dire, Vince. Ouais. Non les gars, je peux pas rentrer des joueurs en prêt. Mes princes. En fait, faut le dire avant. Faut le dire avant, même si tu. Tu peux, hein, mais faut le dire avant. Oh là là, là là, qu'est-ce que je viens de voir là. Ouais, toi, t'as à l'angle. On va rentrer dans le money time. T'as vu ma défense? T'as bien apprécié ma défense, Vince? Oh, la passe de merde. Voilà. My God. C'est quoi ce centre, frère? Franchement, les gars, en seconde temps, il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Heureusement, wow. Heureusement que. Oh mon Dieu. Heureusement qu'il n'y a pas de remboursement.
Oh, heureusement qu'il n'y a pas de remboursement. Il y a des Twin Seco, les gars, c'est comme ça. Il y a des Twin Seco, les gars, c'est comme ça en fait. Heureusement, heureusement les gars, il n'y a pas de remboursement sur vos places. Ouais, je sais, Asana. Ouais. Rolam, nous aussi, on est déçus du niveau de jeu. Voilà, merci le jeu. Merci le jeu. Chut. C'est maintenant. Tu peux remercier le jeu, Liam. Vraiment, je te mens pas, tu peux remercier le jeu. Remercie encore le jeu, Liam, de l'info. Non, s'il te plaît. C'est trop. Non, mais c'est trop, les gars. C'est maintenant, Vince. Non. C'est trop. Putain, mon Erling Haaland, il s'est pas bougé, frère. Ouais, frère, Liam, assume, Liam, profite. Profite. Oh là là. Mon dieu, Liam. Non mais les gars, c'est horrible. Me dites pas que ça va aller au... Me dites pas que ça va aller au penalty, les gars, ça va mal se finir. C'est horrible, non mais frère, ça mériterait d'aller au penalty, wesh. Moi je dirais, je te honnêtement... En fait, t'as le ballon, en fait le truc c'est que t'as le fatigue, ballon. Les gars. Mentalement je le fatigue. Mentalement il est en point de côté, Liam. Mentalement il est en point de côté, il le sait. Il le sait, les gars. Mon match il est long. Mon match il est long. C'est horrible. Liam il veut... Non, Liam, son but c'est d'aller au péno, Liam. Oh mon dieu, c'était l'action du match. Oh mon dieu, si elle passait celle-là, Vince. Oh, j'ai le démon. Oh, ça allait trop vite. Non, c'est pas lui. Mon dieu. Danilo, non, Danilo. C'est le jeu, Liam. Non, c'est Danilo, Vince. Parle pas du jeu, Vince. Mais bien sûr, c'est le jeu comme ça. Bien sûr, c'est le jeu encore une fois. Putain, c'est trop. Oh là là. Et le multi-jaune, Monsieur RG. Monsieur RG. Van Dijk, quand il court derrière, c'est horrible. Je crois même que ça va aller au péno.
à Londres. Oh, ça va payer nous, les gars, ça va payer nous. Mon Dieu, horrible, c'est horrible ce match. Bien joué. Tu sais, dans ce match, ça me chaude, c'est quand même. En fait, non, t'es pas au-dessus, c'est juste à bien garder le ballon et moi j'ai très bien défendu. Tous les deux, en fait, on se sait trop. Non. Horrible. Ouais, c'est le match du 19-1, ça, j'en connais, ouais. Allez, bon match, bon match, là. Bonne séance, plutôt. Je vais mettre sur un côté en fait, mais bon. Je vais le mettre sur un côté même. We move! T'as pensé que j'allais rester au milieu, hein? We move! Ice! Cold! C'est maintenant en fait ce que ça joue. Est-ce que Rashtard il en a dans la culotte? Bien sûr qu'il en a dans la culotte. Bien sûr, Liamale. Est-ce que toi t'en as dans la culotte? Est-ce que tu mérites le brassard de capitaine? Je ne pense pas, Liam. Je ne pense pas, Liam! J'aurais dû rester au milieu, c'est horrible! Je savais que j'aurais dû rester au milieu! Les BG, on va pas vous montrer les stats du match qui sont pas folles. Ouais, je vais quand même vous montrer les gars, Data du match, un tir partout, possession 60%, 60 à 40%. J'ai récupéré la balle plus rapidement que de Liam. Je pense les gars, en vrai, la vérité, ce match-là, je mérite de le gagner. En toute franchise, je pense que j'ai plus contrôlé le match et Liam à l'usure, je l'ai eu. En tout cas, les BG, si vous avez bien kiffé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, les gars. Vamos, on égalise. Je veux juste dire une chose, c'est toujours celui qui parle le plus qui a un karma. Ouais. C'est horrible. Ouais. Pourquoi j'ai parlé dès que j'ai marqué? Pourquoi? Et on va, les gars, en vrai, les gars, on va découvrir le contenu de 19h ensemble, en vrai. Il y a les grosses affiches. Il n'y a rien, les gars, qui est sorti, non? Et en plus, non, les gars, en plus, je vous le dis, les gars, je vais récupérer le Axel Witsel maintenant. Comme ça, c'est fait. Pour moi, entre Karstrop, Iwobi et Witsel, pour moi, le plus intéressant, les gars, à prendre, c'est Witsel. Je vais le prendre. Il peut être carré, parce qu'en plus j'ai fait l'évolution Lorente, donc... A ton avis, Liam, je mets où? À la place de Rijkaard ou à la place d'un autre mitard qui t'a bouffé pendant tout le match? Non, les gars, le Rijkaard de Vincent, il est trop fort. Par contre, il y a un joueur où je suis très déçu, c'est Vinicius. Je suis choqué du niveau de Vinicius. Mais en tout cas, merci beaucoup les frérots du soutien. Merci les gars. My goats. Merci.